Hey yo tout le monde, c'est Nishi, on se retrouve sur votre gacha préféré Genshin Impact sur PS4. Du coup, je vais vous présenter mon build de mon Razer, je suis à R36. Je vais vous montrer directement ses attributs. Je suis à plus de 1500 d'attaque et 14 000 de vie, qui est pas trop mal. Je vous montre un peu les stats, dommages critiques, taux critique, 60, 54. On commence à être pas trop mal, il y a de quoi améliorer, mais ça va. L'arme, l'espadon, on peut la forger au forgeron de Mondstadt. Je l'ai raffiné, je crois, 3 fois et je l'ai monté niveau 70 pour ceux qui veulent savoir un peu plus en détail. Là, on va passer aux artefacts. Je vous montre un peu, je vous laisse regarder les stats. Après, il y en a quelques-uns que voilà, j'aimerais bien passer en attaque à place de PV, mais pour le moment, j'ai pas trop le choix, j'ai pas autre chose. Je fais avec ce qu'on a, c'est les builds du début. Voilà, hop. Là, je vous montre, j'ai eu 0 constellation, ça je suis deg. Et là, j'ai farmé un peu, je les ai tous montés level 5, les attitudes. Je vais pas encore les monter niveau 6 ou 7, je crois, mais pour le moment, j'ai pas assez de quoi. Bon, on va vous passer l'exemple du combat. Allez, c'est parti! Bon, du coup, on va se battre contre des blobs. Bah voilà, je vous montre un peu les dégâts et tout. Après, si vous voulez des combats contre des plus gros donjons ou des plus gros boss, pour vous montrer les dégâts sur des plus gros monstres, je peux vous montrer. J'ai pris le donjon un peu au hasard, j'ai pris le premier qui venait. Voilà, j'ai fait des petits zones pour vous montrer les dégâts plus précisément. Bon, bah, je vais vous laisser sur cette vidéo, sur ce gameplay. Si vous avez besoin de conseils, besoin de savoir où j'ai farmé certaines choses pour avoir ce stuff, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti, tchou tchou!